J'y peux rien si je suis corrosif. Lorsque l'on ne ferme pas les yeux, souvent on se tait et l'on ne parle que lorsqu'on n'a rien à dire. Alors pour se défendre ou argumenter ce que l'on n'a pas dit, il existe un moyen détourné que l'on nomme ironie. Et l'ironie, c'est l'art de dire l'inverse de ce que l'on pense pour que notre interlocuteur ait pensé l'inverse de ce que l'on pense avoir dit. Cela provoque souvent un quiproquo poussant généralement l'un des deux interlocuteurs à utiliser un sarcasme. Nul besoin d'illustrer, bien sûr, vous êtes tout à fait capable de dissocier sarcasme et ironie. Comme afficher que ce que tu dis est ironique est très intelligent. Parce que s'il y a bien une chose aberrante... Oui, je suis aberré. C'est à quel point la société d'aujourd'hui est nulle en français et qu'elle s'attaque pourtant à des formes de rhétorique. Wesh, c'est pas parce qu'on fait des fautes d'orthographe quand on cause que c'est pas qu'on parle mal, hein. Oui, bon, ils peuvent pas et faire des fautes d'orthographe à l'oral et connaître la double négation non plus. Et l'avantage aujourd'hui, c'est qu'avec un accès illimité à l'information, la facilitation de l'accès à l'éducation, la hausse du taux de chômage qui permet à certains parents d'être plus présents pour leurs enfants, on se trouve avec une jeunesse instruite et avide de connaissances. C'est quand même dingue de les voir scotcher au réseau mondial 24 heures sur 24 et pas être foutu de vérifier la définition d'un mot. Putain, je la sens pas la soirée soir, c'est bancal. Ça veut dire quoi, bancal? Bah tu sais, genre, y a pas de meuf ou de bon son, tu sais. Ah ouais, ça veut dire c'est chaud. Comment vous voulez que ces mecs-là comprennent la subtilité d'un sarcasme? Ils comprennent même pas qu'on dise bonjour avec le sourire. Et pour les personnes encore lettrées, les médias sont devenus des champs de bataille où il faut se battre pour la sauvegarde du savoir. Les JT qui ont des cartes fausses, le langage SMS dans les titres des journaux, et les abrutis érigés en modèle de savoir-vivre. Quel monde merveilleux que celui des ignorants. Les formes de rhétorique sont souvent comparées à des armes verbales. La plume est plus forte que l'épée, petit scarabée. Mais dans un monde où la stupidité est constamment sous nos yeux, sont-ils encore capables de lire entre les lignes ?